Aujourd'hui, on voit qu'il y a une structuration qui est faite, mais il faut qu'on aille au-delà de cette structuration pour apporter justement le développement de l'agriculture maraîchère au niveau de la CARL. Légumes de France est une fédération de l'ensemble des départements métropolitains et outre-mer pour appuyer justement ce genre de recherche, ce genre de développement. Et c'est ça qui est important, c'est que comment aujourd'hui on peut mettre à disposition de la CARL notre modeste savoir-faire pour pouvoir augmenter la production, pour pouvoir répondre aux attentes, non seulement des agriculteurs, mais également de la population. Quand on parlait tout à l'heure de souveraineté ou d'autonomie, ou de sécurité alimentaire, et de développement également au niveau de l'économie, nous pouvons apporter justement tout ce soutien-là. Légumes de France, c'est ça. Légumes de France, c'est également d'avoir une coordination, d'avoir... aujourd'hui, vous avez des instances qui existent dans tous les départements, qu'ils soient métropolitains ou outre-mer, telles que les chambres d'agriculture, telles que la SAFER, telles que les organisations de producteurs. On vient en soutien à l'ensemble de ces dispositifs pour justement accroître la compétitivité des entreprises, accroître le développement économique et apporter le soutien à l'ensemble des responsables du département ou des régions. Cette convention vient soutenir en fait le projet de marché d'intérêt communautaire que nous avons à cœur au niveau de la CARL et que nous souhaitons voir émerger très prochainement. Mais pour cela, nous avons besoin d'être accompagnés, d'avoir autour de nous les bons partenaires. Et Légumes de France fait partie des partenaires incontournables aujourd'hui que nous devons associer à ce projet de marché d'intérêt communautaire. Légumes de France déjà va nous accompagner tant au niveau de la structuration, ils vont nous accompagner également en ce qui concerne notre promotion, ils vont aussi nous accompagner dans l'accompagnement terrain en matière de structuration des filières, puisque Légumes de France, on le sait aujourd'hui, dispense déjà des formations, est en relation proximité aussi avec nos agriculteurs, surtout toute la partie grande terre. Donc aujourd'hui nous allons pouvoir bénéficier de leur expertise pour pouvoir avancer beaucoup plus vite et que la CARL puisse aussi quelque part rattraper un peu le retard que nous avons en matière de développement de notre agriculture.